le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Erlichi Dorilas, depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce lundi. Bon début de semaine. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h. Depuis la newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts. Et à l'étudeur, hélas, pour présenter la page internationale. À Jacques Mel pour le Grand Journal, Joannel François. Rubens assure les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique aux Alains 102.3 FM à Jacques Mel. Les affrontements se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Ce dimanche, des bombardements ont été signalés dans plusieurs zones du pays. Selon les médias ukrainiens, 2 civils sont morts dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Voici un reportage signé I24 News. Les affrontements se poursuivent entre l'Ukraine et la Russie. Ce dimanche, des bombardements ont été signalés dans plusieurs zones du pays. Selon les médias ukrainiens, 2 civils sont morts dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Une autre personne a été blessée et 4 maisons ont été détruites dans la même frappe. L'armée ukrainienne poursuit une contre-offensive lente, ralentie par des conditions météorologiques difficiles. Dans la région de Kharkiv, les soldats d'une unité de chars maintiennent leur position sur la ligne de front, leur optimisme intact. Sur cette partie de la ligne de front, nous sommes chargés de tenir notre position et parfois quelques contre-offensives. Nous avons repris quelques villages ici. La situation est totalement sous contrôle et nous sommes prêts à relever de nouveaux défis, parfois inattendus. Le président ukrainien a appelé la population à se préparer à de nouvelles attaques, alors que des centaines de personnes fuient de nouveau la ville de Kherson, ciblée à plusieurs reprises par des frappes russes. Nous comprenons que les terroristes préparent de nouvelles frappes, nous le savons avec certitude. Et tant qu'ils auront des missiles, ils n'arrêteront pas malheureusement. Mais notre capacité à nous entraider et à prendre soin de ceux qui ont la situation la plus difficile, notamment les personnes âgées, les familles avec enfants, ceux qui ont perdu leur maison et leurs proches à cause de la guerre, tout cela constitue notre force. La semaine à venir peut être aussi difficile que celle qui vient de passer. Volodymyr Zelensky a assuré que son peuple tiendrait bon face aux attaques russes qui provoquent régulièrement des coupures massives d'électricité, de chauffage et d'eau par des températures glaciales. Ce vendredi, plus de 6 millions de foyers étaient affectés par des coupures d'électricité. Le président a appelé la population à économiser l'électricité dans les zones où le courant a été rétabli, la stratégie de Moscou consistant à bombarder les installations énergétiques ukrainiennes. L'opérateur du réseau électrique national, Ukrenergo, avait annoncé que la production d'électricité ne serait en mesure de couvrir que les 3/4 des besoins de consommation. Aux Comores, l'ancien président comorien Ahmed Abdallah Sambi, jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État, a été condamné à la réclusion à perpétuité. Les décisions de cette juridiction spéciale ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Voici un reportage assigné Africa News. Aux Comores, l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi a été condamné lundi à la réclusion à perpétuité. Il était jugé pour haute trahison par la Cour de sûreté de l'État. Les décisions de cette juridiction spéciale ne peuvent pas faire l'objet d'appel. Principal opposant de l'actuel président Azali Assoumani, Ahmed Abdallah Sambi est accusé d'être impliqué dans le scandale dit de la citoyenneté économique. Il avait fait voter en 2008 une loi permettant de vendre au prix fort des passeports à ceux en quête d'une nationalité. Brièvement apparu lors du premier jour de son procès la semaine dernière, Ahmed Abdallah Sambi dénonçait une procédure à ses yeux inéquitable. Il a ensuite refusé d'assister à la suite des débats. Friction entre l'Union européenne et les États-Unis, l'UE cherche à la bonne réponse à la loi américaine sur la réduction de l'inflation. Les subventions annoncées par Washington vont limiter la concurrence au détriment des entreprises européennes. Voici un reportage assigné Euronews. Le président américain aime se présenter comme le champion de l'industrie nationale et le défenseur de l'intérêt des États-Unis.
Mais ce choix politique de Joe Biden pose des problèmes avec les alliés européens. La loi sur la réduction de l'inflation adoptée pendant l'été compte subventionner à hauteur de 354 milliards d'euros les technologies vertes américaines, comme les voitures électriques, les énergies renouvelables ou les industries intensives. L'Union européenne crie au scandale. Les 27 craignent que leurs entreprises soient de fait exclues du marché américain à cause d'une entorse aux règles du commerce international. Ce que nous demandons, c'est l'équité. Nous voulons et attendons que les entreprises et les exportations européennes soient traitées de la même manière aux États-Unis que les entreprises et les exportations américaines sont traitées en Europe. La loi sur la réduction de l'inflation entrera en vigueur en janvier. C'est la raison pour laquelle un groupe de travail entre l'Union et les États-Unis négocie depuis plusieurs semaines afin d'accorder une exception aux entreprises européennes. Pour le moment, un compromis semble flou. Les analystes sont même sceptiques quant à la possibilité de parvenir à une solution. Washington n'hésite pas à jouer avec les principes du libre-échange. La dernière chose à faire maintenant, la chose la plus stupide à faire, serait de lancer une guerre commerciale, parce que nous sommes en position de faiblesse. C'est la simple réalité. Ce qu'il faudrait faire à la place, je pense qu'il pourrait y avoir une façon ciblée, limitée, de permettre une utilisation plus indulgente des subventions publiques vers la transition verte pour s'assurer qu'elles se produisent le plus tôt possible et pour s'assurer que les entreprises européennes soient en mesure d'être pleinement compétitives aussi au niveau international. Toutefois, des contre-mesures européennes sont politiquement dangereuses. L'Union dépend fortement des États-Unis dans l'effort d'armement de l'Ukraine et en matière d'approvisionnement en gaz naturel liquéfié pour compenser les livraisons suspendues de la Russie. Accord entre l'opposition et le gouvernement de Maduro au Venezuela. Au Mexique a été signé un accord entre le pouvoir vénézuélien et son opposition. Cet accord représente un espoir pour toute l'Amérique du Sud, un triomphe de la politique selon les médiateurs. Il pourrait également permettre un nouvel allègement des sanctions américaines envers Caracas. Voici un reportage à signer RT. Une grande photo de famille avec différents sentiments. D'un côté des sourires, la satisfaction d'avoir pu trouver un accord. De l'autre, le sérieux et la retenue qu'imposent les engagements qui attendent le gouvernement vénézuélien et son opposition. C'est dans cette étape qui commence aujourd'hui que nous pouvons réunir les conditions politiques pour parvenir à l'alternance démocratique dans le pays et avec elle le changement du modèle politique qui a ruiné notre nation. Des élections libres et démocratiques, nous sommes d'accord, mais pour y parvenir, par exemple, que le peuple et les dirigeants du Venezuela qui sont persécutés, qui sont attaqués, qui sont agressés, parce que cette situation d'agression est complètement absurde et disproportionnée, doivent disparaître. L'espoir d'un renouveau après des négociations difficiles ces dernières années est suspendu depuis 15 mois. Suite à l'extradition par le Cap-Vert d'un homme d'affaires vénézuélien, réputé proche du pouvoir vers les États-Unis. En 2018, la réélection de Nicolas Maduro est contestée par son premier opposant et président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui se proclame président par intérim du pays et reçoit alors la reconnaissance de Washington et d'une cinquantaine de pays. Aujourd'hui, malgré un accord partiel trouvé en matière de protection sociale, la tension entre Guaido et Maduro reste palpable. La dictature a pendant des années nié l'urgence humanitaire, bloqué et brûlé l'aide aux Vénézuéliens pour enfin reconnaître la crise qu'ils ont générée. L'aide que cet accord permettra est importante, mais encore insuffisante pour les niveaux de la tragédie au Venezuela. Porque hay que poner las cosas en su lugar. Nous devons remettre les choses à leur place. Les agences de presse, les médias hégémoniques de l'Occident et des États-Unis, les gouvernements étrangers ne viendront pas imposer quoi que ce soit au Venezuela. Pas aujourd'hui, jamais. Écoutez bien, écoutez d'une voix claire et intelligible. Personne ne nous imposera quoi que ce soit. Pas aujourd'hui, pas demain, jamais. Nada. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Avec l'aide du Mexique, de la Norvège ou encore de la Colombie, le gouvernement vénézuélien et l'opposition sont parvenus à un accord d'étape
qui permet notamment de libérer des fonds vénézuéliens gelés à l'étranger. Un fonds qui sera géré par les Nations Unies pour financer des programmes de santé, d'alimentation et d'éducation à destination des plus pauvres. Dans la foulée, les États-Unis ont annoncé un allègement de l'embargo pétrolier dans le pays. Le géant américain Chevron est autorisé à reprendre partiellement ses activités d'extraction d'or noir au Venezuela. Satisfaction donc pour Nicolas Maduro d'un côté, soulagement pour le peuple vénézuélien de l'autre. Un dernier rapport de l'ONU, publié plus tôt cette année, estime les besoins humanitaires du Venezuela à 795 millions de dollars pour aider plus de 5 millions de personnes en détresse médicale et alimentaire. Direction la Chine, un soulèvement rarissime en Chine. Le régime assure lundi 28 novembre que son combat contre le Covid-19 serait une réussite au lendemain. De manifestations d'une ampleur inédite à travers le pays pour protester contre la politique draconienne du zéro Covid de Pékin. Voici un reportage à Ciné France 24. Acclamé par un concert de klaxons en guise de soutien, ces quelques centaines de Pékinois se sont rassemblés tout au long du week-end pour exprimer leur colère. Toujours sous l'œil de la police qui a promis de transmettre leur message aux autorités s'ils quittaient les lieux. On veut des mesures anti-Covid basées sur la science. Je pense que les choses devraient revenir à la normale. On doit retrouver nos vies d'avant. Comme ces manifestants, ils sont nombreux en Chine à ne plus supporter la politique du zéro Covid et les confinements interminables. À Wuhan, ville berceau de l'épidémie, ou à Shanghai, des rassemblements similaires ont eu lieu ces derniers jours, avec, fait rare en Chine, des critiques directes à l'encontre du gouvernement. Et ce n'est pas un hasard si cette colère explose maintenant. Il faut voir que les gens regardent la Coupe du Monde de football, c'est très populaire en Chine, le football, et ils ont vu que dans les stades, il y a des dizaines de milliers de personnes sans masque, alors qu'eux ne peuvent pas sortir sans faire 3 tests, etc. Donc les gens en ont véritablement assez et blâment la politique du gouvernement pour ce qui est arrivé. Des controverses très médiatisées nourrissent aussi le mécontentement, comme l'incendie d'un immeuble à Urumqi qui a fait 10 morts. D'après les témoins, les secours auraient une fois de plus été ralentis par des voitures stationnées là pendant des jours à cause des mesures anti-Covid. Pour l'instant, le Parti communiste ne compte pas changer sa stricte politique sanitaire et se félicite d'afficher des chiffres de nouvelles contaminations parmi les plus faibles de la planète. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de Prod, réalisation Télébeltop pour le camp de la radio Évangélique aux Alas 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page internationale, Air Leach de Relâche depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Température pour aujourd'hui, Boston, 52 degrés Fahrenheit, 11 degrés Celsius. Il y a du soleil pour nous à Boston aujourd'hui. Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Jonel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio Évangélique aux Alas 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi. Et bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erich Dorelas.